Bonsoir à tous. Revenons au épisode précédent. Nous annonçons la volonté de censure de ma vidéo. Quand même. J'avoue ne pas savoir comment expliquer ni comment l'analyser. Vous n'êtes pas cohérent, les oiseaux. Tous ces antécédents fâcheux nous autorisent à douter de la véracité de ses propos. Je dis cela car le gourou est coutumier du mensonge et de la manipulation. Je vous rappelle que Marc Edouard n'a pas eu la classe, lui, de ne pas attaquer ma naboscopie. Revenons à présent à la question qui nous intéresse. Je me rends à l'évidence qu'en m'attaquant au gourou de la secte, je m'expose nettement plus. Je signale à ce guignol qu'il doit s'estimer heureux, car ayant d'autres charges et responsabilités lourdes, j'y ai succombé. Qu'il s'estime heureux. On plante des graines, c'est tout. Soyez patient et confiant, et attendez la fin pour comprendre la problématique dont il est question. Veuillez accepter, très cher Dieudonné, l'expression de mes plus exécrables salutations. Nous allons nous livrer à un jeu, une chasse au trésor. Pas si caché. À vous de jouer, les amis.